Coucou à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire un maquillage avec quelques petites nouveautés que j'ai achetées au courant de ce mois. Donc il y a la marque NYX, Revlon, il y a un crayon, ouais bon voilà. Donc pour commencer, tout ce qui est ancien, donc j'ai fait mes sourcils avec la palette de chez Max & More qu'on trouve chez Action, la Light, et j'ai pris cette couleur-là avec un autre pinceau biseauté parce que celui-là je l'aime pas trop. Ensuite, en highlighter, en dessous de du sourcil, j'ai pris un highlighter de chez P2. Donc, cette teinte-ci. Parce que l'autre, elle est un petit peu trop irisée à mon goût. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai brossé avec une brosse goupillon, en fait. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. J'étais il y a peu de temps chez Monoprix et j'ai trouvé des lots de fards crème avec le eyeliner pailleté, donc un duo. Et je les ai trouvés trop géniaux. Donc il y avait trois choix. Moi j'en ai pris deux parce que le troisième c'était un kaki et j'aimais pas trop, je porte pas trop ça. Mais j'ai pris le top et un parme, on va dire, gris, bronze, un truc comme ça. Bref, c'est voilà, comme ceci, les fards se ressemblent. Et puis là, il y a un highlighter argenté et un highlighter doré. Donc c'est pour ça que j'ai pris les deux. Et dans le lot, il y avait à chaque fois un mascara offert. Donc le lot m'a coûté 13 euros et quelques, il me semble. Et puis ben, pour rester dans le gold, j'ai choisi le rouge à lèvres de chez NYX. Voilà, il est métallique et c'est le Huile 08 de la collection Wicked Lippy. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite. Et puis en muqueuse, je mettrai le crayon de chez Essence. Vous verrez qu'il est vraiment très bien. Alors déjà, je vais commencer par la couleur la plus claire de ce fard crème jusqu'au milieu de la paupière. J'adore. Voilà. Alors j'attends que ça sèche et je viens appliquer la couleur un peu bronze comme ça en fondant ensemble. Donc je déborde sur le fard que j'ai mis tout à l'heure. C'est magnifique. Alors, ensuite, j'attends vraiment correctement que ça sèche. C'est magnifique. Et une fois sec, je viens appliquer le eyeliner pailleté argenté. J'essuie parce qu'il est vraiment très liquide. Juste en très très fin. Ici, voilà, et de l'autre côté. Déjà, ça change tout. Puis, je viens appliquer le or bronze sur l'autre partie. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre du eyeliner noir si vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas en mettre. Ce sera un maquillage très simple aujourd'hui. Donc, je me suis acheté un crayon de chez Essence qui est waterproof, extreme lasting, et il est super bien, franchement. Donc, je le mets en muqueuse.
J'essaye de pas faire trop de têtes bizarres pendant que je me mets le crayon. Parce que j'ai tendance à faire de sacrées belles grimaces. C'est assez collector parfois. Donc voilà, moi je suis sensible de l'œil en ce moment, je sais pas pourquoi. Je coule. Ah, j'ai horreur de ça. En ce moment, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Pardon. Alors ensuite, j'ai... On va enlever ça là, qui dépasse. Donc ensuite, je prends le recourbe cils et on va tester en direct, en crash test, on va dire, le mascara qui était offert avec le Revlon. J'ai les yeux qui coulent aujourd'hui, mais c'est comme par hasard quand je fais une vidéo, quoi. Donc, la brosse, elle est comme ceci. Et on va tout de suite essayer. Je ne sais pas si ça va me plaire tout ça. Oh non, le mascara il est nul. Hein. Alors autant le fard crème, les fards crème et l'eyeliner pailleté sont géniaux. Mais le mascara, je ne sais pas, il y a peut-être trop de matière ou. Je sais pas. La brosse ne me convient pas. C'est bizarre. Bof, bof, bof. C'est pas... Folichon, folichon, cette brosse. Ouais. Vite fait. Hein. Bon, il faudra que je me l'apprivoise, que je sache comment l'utiliser parce que il m'a l'air bof. On va en mettre en bas, sans faire de tête bizarre. Bon, les têtes bizarres, t'es obligé d'en faire quand tu te mets le mascara du bas, hein. Je m'excuse d'avance pour la tête d'autruche. On dirait une tête de tortue en reproduction. Ah là là. Ben voilà. Moi ça me va, le maquillage des yeux. Pour aujourd'hui. Ensuite, je vais passer un petit crayon discret pour faire un contour un tout petit peu marqué. Donc, c'est le crayon que j'avais reçu dans une box à l'aloe vera vitamine E, extra waterproof. Ouais. Et je vais rester dans le gold et je vais mettre celui-là et le fondre avec le contour.
Waouh, il est hyper beau. Ça fait, franchement, ça rappelle vraiment les yeux. Et je fonds le tout ensemble. Alors, j'ai choisi, j'ai fait exprès de choisir ce contour parce qu'en fait, le contour rappelle le coin externe de l'œil en bronze et l'intérieur rappelle l'or. Donc ça fait vraiment, voilà, il n'y a pas de mots. Moi, j'aime beaucoup ce maquillage. Donc voilà, je vais passer à la coiffure et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao !